Alors bonjour tout le monde, comme tous les lundis, hein, petite démonstration, enfin de petite explication, enfin bref, petit tirage de cartes comme d'habitude. Comme je vous avais dit, hein, je vous présente Mademoiselle Bagheera. Voilà, ça c'est Mademoiselle Bagheera qui est venue sur moi ce matin. Voilà, Madame. On a décidé. Bon, comme je vous avais dit, hein, je sais pas si vous avez vu, mais lundi, enfin hier, les élections européennes, je vous ai dit qu'il allait y avoir de drôles de surprises. À la preuve, le LREM qui finit avec quand même 22,41%. Alors tout le monde disait, ouais, Macron va se prendre une claque, Macron va se prendre une grosse claque, mais en fin de compte, la petite, il s'est pas pris de claque, hein. Il y a encore des gens, pratiquement un quart de la population française, qui ont voté pour Macron. Y a 98% des gens qui sont complètement insatisfaits de la politique de Macron, mais ça vote encore pour lui. Il faut quand même qu'on m'explique quelque part. Bon. Oui, c'est le dé, mon bébé. Oui, je sais, mais t'avais pas qu'à les décoller. Et donc voilà, quoi. Donc, il y a quand même quelque part un schmilblick qui va pas. Ah, avant de faire le tirage, je voulais vous expliquer un truc. C'est que ce week-end, j'ai eu un accident. J'ai eu un gros accident, on va dire. Le résultat, je vais vous le faire voir. Hein. J'ai eu la malchance de croiser. J'ai refusé la priorité à une paire de ciseaux. Voilà ce que ça donne. Et ouais. C'est la paire de ciseaux qui a gagné. Et c'est Virginie qui tenait la paire de ciseaux. Bon, je vous dirais, en même temps, j'étais un peu d'accord. Mais bon, ils en avaient besoin, les pauvres. Non, mais je plaisante. Un petit peu de plaisanterie, ça fait pas de mal. Bon, allez. On va faire le premier tirage. Oui, mais bébé, papa, il est en train de faire son tirage, s'il te plaît. Donc tu vas me mettre ça sur ton petit bureau à toi, tu as ton bureau. Merci, mon bébé. Oui, mais c'est une nuit, d'accord. Alors, bon, Bagou, tu fais quoi, là, toi aussi, là? Tu te pousses. Je mélange les cartes. Ça va être vachement pratique, le tirage, aujourd'hui, avec entre Bagheera, hop là, entre Bagheera et puis bébé qui fait le couillon. Alors, vous inquiétez pas, si à des moments vous entendez du soprano. Bébé a retrouvé son téléphone portable avec la musique, avec des musiques de soprano. Donc il adore soprano, il écoute que ça. Mais bon, en attendant, je me suis pas trompé. En plus, il y a eu encore des incendies. Là, il y a eu un incendie à Bordeaux, il y a eu un incendie à Aubervilliers. Bon, en même temps, Aubervilliers, je suis pas trop surpris. Hein. Je connais un peu le secteur. À partir de 19h, vous n'allez pas vous balader. Hein. Ou surtout vous, mesdames, en mini-jupe, vous y allez pas, hein, ça c'est sûr. Véronique, Yod, Marie, le 6. Les amants en vert. Pourquoi je suis pas surpris? Alors là par contre vous êtes énormément à me donner ce chiffre, comme d'habitude d'ailleurs. Émilie, Jojo, François, Stéphane, Nicole, Martine, Moon, Élise et Mylène, vous m'avez aidé le 7. La tour en droit. Azalée, Claudie, Nadia m'ont donné le 21. Le pendu en vert. Marie-Thérèse m'a donné le 5. La justice en vert. Ça m'étonne pas. Patricia, Annie, Kevin, Loïc, Cristalinette m'ont donné le 8. L'impératrice. Endroit.
Brigitte et Guillaume m'ont donné le 2. Notre petit Guigui national qui vient nous rendre une petite visite tous les soirs sur le site, qui nous a donné la mort en vert. Donc malheureusement, il n'y a pas trop de changements pour l'instant. Sylvie, Miranda, Edouard m'ont donné le 15. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le battleur en vert. Marc-Isabelle, Jérémy et Simone m'ont donné le 13. 13. Le soleil en vert. Marie-Jo et Laurent m'ont donné le 1. Le monde en vert. Donc qu'est-ce que je ressens moi? Ben, qu'il y a quand même pas mal de déceptions par rapport aux élections européennes. Il y a un truc d'ailleurs que je ne sais pas si vous avez eu ça dans vos mairies, mais nous quand on a été voté hier, ça m'a choqué. Parce qu'il y avait quatre listes où fallait télécharger et imprimer le bulletin de vote. C'est ça qui est marrant. Personne n'était au courant. Bon, il y avait, je sais plus, j'ai pas fait gaffe aux listes, mais j'ai vu les quatre papiers. Si vous voulez voter pour cette. Enfin, veuillez télécharger et imprimer la liste en question. Il y en avait quatre listes comme ça. Donc en plus, j'ai eu. C'est sur. Que je dise pas de bêtises. Je l'ouvre sur RTL. Il y aurait eu énormément, énormément, et ça je le disais aussi, attention aux fraudes, attention à la triche. Il y a dans différents départements, il y a eu à première vue il y a eu à peu près 500 000 personnes qui ont été radiées sans savoir pourquoi en France. Il y a eu des bulletins manquants de certaines listes. Il y a eu des maires qui ont dissimulé des bulletins, etc., etc. Je l'avais annoncé, hein, j'avais dit attention, il va y avoir de la fraude ou de la triche. La preuve. Maintenant, est-ce que justement, est-ce que on va pas apprendre, vas-y, installe-toi mademoiselle, on voit tes fesses et ça, négatif, voilà. Donc, vous jure les chats. Eh ben goût, tu sais que tu abuses. Et donc voilà. Donc pour l'instant, voilà, bah, c'est un petit peu au point mort, quoi. Ça va pas trop avancer. On va encore entendre parler de chômage. Par exemple, je l'ai su pendant mon stage, ma formation, d'une personne qui est très bien placée pour le dire. Faut savoir que ils ont annoncé qu'il allait avoir pour Pôle emploi à peu près 1690 licenciements dans toute la France au niveau du Pôle emploi. Faut savoir que c'est pas 1690, mais moi j'ai à peu près le contrôle. C'est pratiquement 4000 personnes qui vont être licenciées au cours de cette année de Pôle emploi. Près de 4000 personnes. C'est énorme. Il faut prévoir aussi, et ça c'est pareil, je l'ai su de sources sûres, qu'à partir d'un certain temps, d'ici 2 ans, vous serez plus convoqué, pour ceux qui sont au chômage, vous serez plus convoqué au Pôle emploi, mais ça sera des vidéoconférences. C'est-à-dire que vous devrez tous avoir Internet, avoir
un PC avec une webcam pour pouvoir faire des vidéoconférences avec votre conseillère Pôle emploi. Super. Sans sortir de chez vous. Donc on est encore de plus en plus isolé au niveau du chômage. Savoir qu'on est pratiquement 7 millions de chômeurs en France. Hein. Pas 3 millions comme le disent les journaux, puisque faut savoir que les seules catégories qui sont comptées, c'est A et B. Les autres, ben non. Hein. Et quand ils parlent de baisse de chômage, tu te fais voir ma bagou. Oui, ma bagou. Quand ils font voir, quand ils disent à la télé qu'il y a une baisse de chômage, c'est faux. C'est juste que les personnes qui passent de la catégorie C ou D ou E ne sont plus comptabilisées. Ou ceux qui vont en formation. Ou ceux qui sont radiés. Ils sont plus comptabilisés. Donc obligatoirement, ils sont déduits. Donc on dit le chômage a baissé. Mais non, il n'a pas baissé. Puisque depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant, il y a eu 15 000 emplois qui ont disparu. Il y a eu 15 000 personnes qui ont été de plus au Pôle emploi. Donc vous voyez, c'est du tout et n'importe quoi. Donc tout ça, ces petits mensonges, bah, de toute façon, ils vont être sortis, hein, parce que à mon avis, Marine Le Pen va pas faire semblant. Bon, bien entendu, comme d'habitude, je sais pas si vous avez remarqué, je suis pas pour Marine Le Pen, moi je suis là, je suis neutre, hein, je préviens tout de suite, je dis ce que je pense. C'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a des élections et que Marine Le Pen se représente, qu'est-ce qu'on entend parler? De la fameuse tricherie qui s'appelle les emplois fictifs, etc. Et que soi-disant, elle doit 300 000 euros à l'Union européenne. C'est marrant. Hein. À chaque fois qu'il y a des élections, hop, l'État ressort ça. Et les journaux le ressortent aussi, attention, hein. Il n'y a pas que l'État, il y a aussi les journaux qui s'y mettent. D'ailleurs, c'est entre nous, hein, le jour où l'État supprimera les subventions de télévision, journaux, etc., je peux vous dire qu'il va y avoir des vérités qui vont pas être, qui vont sortir et que ça va faire mal au cul. Non, je te laisserai pas, Bagou, t'as pas besoin de me mordre le pouce. Elle me mord les doigts pour que je la caresse, mademoiselle. Ah, je vous jure, la chiasse. Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Là, il va pas trop y avoir de changement, ça va pas trop bouger. Ça va, bien entendu, il va y avoir continué les manifestations de gilets jaunes. Hein. Moi, je serais pas surpris que c'est demandé par Marine Le Pen, mais je serais pas surpris qu'il y ait Monsieur Macron ne le fasse pas, ou s'il le fait vraiment, c'est pas être pour faire chier son monde, la dissolution de l'Assemblée nationale. Y a quand même quelques chances que ça arrive, mais voilà. Donc augmentation du chômage, etc., etc. On va se le bouffer. Maintenant, moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir les résultats des différents pays, l'Italie, etc., etc., pour voir ce que ça donne. À mon avis, ça va être assez coton. D'ailleurs, on va faire un tirage sur l'Union européenne, voir ce que ça va donner, s'il va y avoir du changement au niveau de l'Union européenne. Le problème, c'est que tant que tout se met en place au niveau de l'Union européenne, ça va être assez long, quoi. Il faut s'attendre à que ça 6 mois minimum avant que vraiment le système qui vient d'être, on va dire, voté. Se mettre en place. Moi, c'est ça qui m'étonne quand même quand je l'avais dit. Hein, j'avais dit que les élections européennes, on allait avoir de drôles de surprises. Franchement, quand vous voyez que le LREM qui finit à 22,41%, c'est énorme par rapport à ce que j'ai pu voir moi sur Facebook où les gens, il va se prendre une claque, etc., etc. Alors, pareil. Il y a beaucoup de personnes qui disaient ouais, enfin il y a beaucoup de voyants, je ne veux pas les critiquer, hein, mais bon, en attendant, ça prouve que moi j'ai encore raison, qui disaient que les élections européennes n'allaient pas avoir lieu, bah la preuve que si, hein, on a voté, même si quelque part il y a eu de la magouille. Bagou, tu deviens pénible là. Alors, on va faire sur l'Union européenne, voir ce que ça donne.
Alors, Marie m'a donné le 10. Le jugement en vert, ça commence bien. Claudia Gilbert m'a donné le 14. La tour en droit. Marie m'a donné le 16. Le diable en vert. Graziella m'a donné le 12. Ah, bonne carte, la roue en droit. Anthony, Béatrice, Cathy, Clo-Clo, Jean-Pierre m'ont donné le 9. Le fou en vert. Encore. Quête Aurore m'ont donné le 20. Le char en droit. Billy Bob m'a donné le 22. Le butler en droit. Roselyne m'a donné le 17. Les amants en vert et Jean-Michel m'a donné le 18. Et nous avons les étoiles en droit. Alors pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'au niveau de l'Union européenne, il va y avoir du changement, mais à long terme. Il va y avoir de gros soucis. On va dire que l'Union européenne est très mal barrée et il va y avoir, on va dire, bon, les choses vont être calmes, mais il y a des réussites au niveau de l'Union européenne où il va y avoir des changements. Pas tout de suite, malheureusement, comme je vous le disais. Moi, je ressens personnellement que ça va être assez long avant que tout se mette en place. Et les choses devraient s'arranger. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'aimerais bien savoir les résultats des autres pays, voir qui est passé. Ça serait peut-être intéressant de voir, par exemple, en Allemagne, bon, l'Italie, il y a de grandes chances que ce soit Salvini qui soit passé en force. Il y a aussi l'Espagne, où justement l'extrême droite, entre parenthèses, hein, soit passée aussi. Ça serait bien de voir un petit peu les différents pays, voir comment ça se passe, mais pour l'instant c'est marrant. Les journaux n'en parlent pas. C'est dommage. Je voulais remercier quand même Nadège et Aurel qui m'ont donné le 4, Denise qui m'a donné le 11, Renzo, Yolette et Pascal qui m'ont donné le 12. J'en ai pas eu besoin, je suis désolé les amis. Ce sera pour le prochain tirage, donc m'en veuillez pas. Hein, voilà, vous avez quand même 69 personnes à donner un chiffre. Oui, Dolly, qu'est-ce qu'il y a? Si tu as ton maître pour aller faire pipi, va voir ton maître. Je ne suis pas ton maître. Voilà. Bon, excusez-moi, hein, petite interlude avec le toutou qui vient réclamer pour aller faire pipi. Elle sort toutes les 2 minutes, mais c'est pas grave. Elle en profite, hein, il fait relativement beau, donc il pleut pas, donc ça va. Donc voilà, donc il va y avoir quand même pas mal de. Ça va quand même bouger en Europe, dans ce sens-là, mais ça va être le temps, comme je disais, le temps que ça se mette en route, hein, ça va être assez coton.
Maintenant, à voir ce que ça va, je vous dis, à voir ce que va donner les autres pays. Mais moi, je vous dis, je suis pas surpris. Moi, ce qui me surprend quand même, c'est voilà, on peut pas appeler ça une grosse défaite, quoi. Hein. Qu'on voit 22,41%, on se demande. Ça fait quand même pratiquement un cinquième des électeurs, un peu plus d'un cinquième des électeurs. Quand je vois qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube, comme je vous dis, sur Facebook, etc., qui disent voilà, on en a ras-le-bol, 98% ou 99% de la population interrogée disait qu'ils en avaient ras-le-bol de la politique de Macron, puis en fin de compte, on se demande un peu le truc, quoi. Là, il y a un gros point d'interrogation quand même. Comment ça se fait qu'ils aient réussi un si gros score alors que plus personne ne peut les sentir? Bon, en même temps, moi je serais pas surpris, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais je serais pas surpris, parce que je reviens à ça. Laisse le téléphone, bébé. Oui, laisse. Va t'en de là, bébé. On te voit à la caméra. Tu fais un petit coucou? Non, tu fais un petit coucou? Tu veux pas? Bah cache-toi alors. Mais il y a eu, par exemple, chose étonnante, l'État qui a donné l'autorisation, qui a fait voter les gens en prison. Alors, est-ce que derrière, et c'est là mon interrogation, est-ce que, laisse les cartes postales, bébé, est-ce que derrière, il n'y aurait pas des promesses, type, oui, ça c'est tes cartes postales, mon bébé. Oui, papa va les faire voir tes cartes postales. D'accord? Mais tu es sage. Est-ce que justement on n'a pas promis aux prisonniers, à ceux qui font de la qui sont en prison, en disant voilà, vous votez LREM, vous avez X années de en moins de prison. Je serais pas surpris, hein. Je serais pas surpris qu'il y ait de la magouille comme ça. Vas-y, remets-toi à ta place, Bagouf. C'est. Voilà. Fais coucou à la cam. Lis. Merci de suivre mon maître. Donc voilà, enfin bref. Ça, c'est mon opinion personnelle. Hein. Maintenant, je sais que je vais encore m'en prendre plein la gueule par certaines personnes. Mais c'est ce que je pense. Moi, je serais pas surpris de voir justement voilà cette petite magouille que les gens disent bah voilà voter. Non bébé, s'il te plaît. Là, tu deviens pénible. Que les gens disent voilà. Mais bon, voilà. Je vous rappelle aussi que le site, je vous rappelle que l'inscription sur le site et le chat public sont entièrement gratuits, ça vous engage en rien. N'oubliez pas d'aller vous abonner sur la page de Virginie, continuez à vous abonner sur la mienne, c'est super. Je vous remercie d'ailleurs de me suivre. Vous êtes plus de 5 220 et quelque chose à me suivre. Donc, grand grand merci de me suivre, de me faire confiance. N'hésitez pas, alors, si vous avez confiance ici, quelque part, je suis relativement bon en voyance. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez besoin d'aide. Je rappelle aussi un truc qui m'énerve quand même un petit peu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de la voyance gratuite. Je rappelle que je suis auto-entrepreneur, que je n'ai pas de revenus autres que la voyance. Donc s'il vous plaît, hein, quand vous allez chercher votre pain à la boulangerie, est-ce que votre boulanger ou boulangère vous donne gratuitement une baguette? Je crois pas. Puis en même temps, voilà, la personne qui va me demander de la voyance gratuite, je vais lui faire de la voyance gratuite. Elle va dire super, j'ai eu ma voyance gratuite. Maintenant, monsieur Francis, allez te faire voir ailleurs. Je reviendrai que dans 6 mois. Et encore. Donc, quelque part, c'est un peu normal que je ne fasse rien de gratuit. Si la seule chose que je fais de gratuit, quand il y a du monde sur le site, c'est des démonstrations sur le passé sentimental de une personne au hasard que je prends
et je lui fais une démonstration sur en voyance, sur, j'ai ma chaîne qui se met de travers, bizarre, hop. Une démonstration sur son passé sentimental. Bien entendu, cette personne doit être sincère. J'ai déjà vu ça où la personne n'était pas sincère et essayait de me faire passer pour un con, alors que j'avais vu juste. Mais bon, ça c'est autre chose. Comme d'habitude, hein, il y a toujours des réfractaires. Donc sur ce, bah, je vous dis bonne semaine à tous, bon courage à tous. Et puis bah, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas sur ma page, n'hésitez pas à vous abonner sur la page de Virginie, ma petite femme. Comme je vous dis, elle a besoin de 1000 abonnés et puis 4000 heures de vues sur ses vidéos pour commencer à avoir touché un petit peu de sous via YouTube. Je vous rappelle que YouTube, si vous payez rien, c'est les publicités qui sont rémunérées sur les vidéos qu'on a. Mais c'est pas grand-chose, hein. Ça doit être 0,01 centime la minute, enfin le visionnage. Donc, vous voyez, ça rapporte absolument pratiquement pas d'argent. Pour commencer vraiment à toucher de l'argent sur YouTube, faut avoir un minimum de 10 000, 10 000 abonnés. Et on va dire entre 200 et 500 000 vues par vidéo. Donc vous voyez, j'en suis loin, moi. C'est pas avec YouTube qu'on va réussir à vivre. C'est pour ça que la semaine prochaine, d'ailleurs, tiens, j'en parle pendant que j'y pense. La semaine prochaine, enfin non, la semaine du 3 au 7, c'est la semaine prochaine, oui, excusez-moi. Les vidéos du lundi et du vendredi seront faites le soir, puisque je suis en stage découverte en carrossier peintre. Ça y est, j'ai réussi à avoir un patron qui m'a pris. Bon, c'est à 30 bornes de la maison, mais c'est pas grave, puisque j'ai le droit à des dédommagements de kilométriques par Cap Emploi. D'ailleurs, je remercie Cap Emploi. Franchement, c'est par rapport au Pôle Emploi, Cap Emploi, excusez-moi du terme, je vais être vulgaire, mais se retire les doigts du cul pour aider les gens. Moi, je dis bravo à Cap Emploi. Parce qu'ils font vraiment un boulot de fou et ils ont des personnes très compétentes. Je vois ça avec la formation que j'ai eue, enfin la semaine que j'ai eue, la semaine dernière de formation via Cap Emploi justement, où ça a duré 7 jours. Franchement, un truc génial. J'ai appris énormément de choses avec eux que je ne savais pas et j'étais pas au courant. Une chose toute simple, le CCAS peut vous prêter de l'argent, c'est-à-dire des microcrédits pour, par exemple, changer votre voiture ou des trucs comme ça. Faut le savoir. Fallait savoir ça. Et il y a énormément de choses que j'ai appris par justement ce formateur qui s'appelait Franck et franchement très pédagogue, etc., etc., qui nous a appris énormément de choses. Donc ceux qui sont au Cap Emploi, hein, n'hésitez pas, contactez-les, allez les voir, demandez-leur franchement et ils vont vous aider à mort. C'est pas Pôle Emploi, hein, parce que Pôle Emploi, c'est clair, c'est vous êtes inscrit, on surveille si vous cherchez du boulot, point. Génial, quoi. Voilà. Sur ce. Bonne semaine à tous et bon courage et n'hésitez pas à venir sur le site, ça vous engage en rien.